Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage à distance. Mon nom est Madame Manga Marie-Albert, enseignante d'histoire de l'art. Poursuivons notre module d'histoire de l'art comptant pour la deuxième année des corps. Commençons par la correction du devoir de la séance précédente, où il était question pour vous de présenter les théories sur l'esthétique dans l'art élaborées pendant l'Antiquité. Comme réponse, nous disons que pendant l'Antiquité, les théories esthétiques élaborées furent données par Homère, qui parla de la beauté et de l'harmonie, par Pythagore, qui parla des proportions et de la mathématique, par Socrate, qui fit la différence entre le beau, le bon et le bien, par Platon, qui présenta l'art comme étant un simulacre des simulacres, et enfin par Aristote, qui présenta l'art comme étant le prolongement de ce que la nature ne peut pas faire. Notre leçon du jour est la leçon numéro 13 qui est intitulée « Introduction à l'esthétique dans les arts, deuxième partie ». Le plan de notre leçon a pour principaux points les objectifs d'apprentissage, les prérequis, la mise en situation, les activités d'apprentissage, le résumé, l'exercice d'application et enfin le devoir à faire à la maison. Comme objectif d'apprentissage, il est question pour vous, à la fin de cette leçon, de pouvoir définir les termes esthétique et esthétique africaine. Vous devez également être capable de maîtriser les points de vue occidentaux sur l'esthétique en Afrique. Et enfin, vous devez pouvoir maîtriser les différentes théories sur l'art africain, sur l'esthétique africaine, autant pour moi. Comme prérequis, vous avez besoin d'avoir les connaissances sur les leçons précédentes, c'est-à-dire les leçons portant sur les généralités sur l'art, l'art en Afrique, les arts du Cameroun, l'initiation au langage de l'art africain et enfin les connaissances sur l'introduction à l'esthétique occidentale. Comme mise en situation, nous disons que à partir du XVIIIe siècle, l'art africain fut révélateur pour les artistes occidentaux et l'esthétique lui fut enfin reconnue. Mais les ethnologues occidentaux qui ont commencé à étudier cette esthétique africaine ont fait leurs études en se basant sur les critères classiques occidentaux, ce qui faussa leur interprétation et leur compréhension. Alors, nous allons axer notre recherche ou notre étude sur plusieurs questions. Alors, la principale question qui va mener nos activités d'apprentissage est celle de savoir
qu'appelle-t-on esthétique africaine? Alors, la deuxième question est celle de savoir quels ont été les préjugés occidentaux sur l'esthétique africaine? Et enfin, quelles sont les théories qui ont été élaborées sur l'esthétique des arts africains? Commençons par les définitions. Nous définissons l'esthétique comme étant la philosophie de l'art. Alors, l'esthétique est donc une discipline de la philosophie qui a pour objet les perceptions, les sens, le beau dans la nature et dans l'art. L'esthétique est également le discours philosophique qui désigne la science du beau, la critique du goût, ainsi que les jugements des œuvres, des émotions et des émotions qu'elles provoquent. Le terme esthétique vient du mot grec esthétique, qui désigne la beauté et la sensation. Ce terme a été ramené aux arts visuels en 1750 par le philosophe allemand Alexander Baumgartner, qui mit sur pied la science de la connaissance sensible. Et cette philosophie avait pour objet la perception sensible et le beau. L'esthétique africaine fut reconnue aux arts africains dès la fin du XVIIIe siècle, au même moment où ces derniers, c'est-à-dire les arts africains, reçurent leur lettre de noblesse. Et cette reconnaissance est la suite à l'apport salutaire que les arts africains ont eu sur le travail des artistes occidentaux. Mais la poussée des explorateurs européens à l'intérieur du continent africain a permis aux ethnologues d'entrer en contact avec différentes productions artistiques dans différents foyers à l'intérieur du continent. Et cette rencontre-là leur a permis d'élaborer diverses théories sur l'esthétique des arts africains. Alors, parlons maintenant des préjugés qui ont été élaborés par les ethnologues occidentaux sur l'esthétique africaine. Les ethnologues ont élaboré la première théorie selon laquelle l'art africain est un art pour l'art. Et Karl Arnstein fut le premier ethnologue à parler de l'art africain en disant qu'il ne s'agit que de l'art pour l'art. Pour lui, seul l'aspect formel des œuvres apporte un certain intérêt pour les productions artistiques africaines. Cette théorie de Karl Arnstein, fut refutée en 1967 par Jacqueline Delange, qui a parlé de l'ethno-esthétique, c'est-à-dire de l'esthétique selon les groupes humains. Et également par l'étude sur l'ethnomorphologie de Louis Perrois en 1889. Louis Perrois qui a parlé des différents styles des œuvres selon les foyers culturels. Les productions africaines furent également taxées d'artisanat et non d'art sur le seul fait que pour les ethnologues occidentaux, l'artiste négro-africain n'est pas soucieux du résultat de ses formes, mais plutôt il est plutôt friand du gain ou alors du prestige que lui rapportent ses œuvres. La deuxième théorie qui fut élaborée par les ethnologues occidentaux et que nous classons de préjugés est celle selon laquelle l'art africain est un art presque esthétique. Pour Franck Boas, le seul fait que le plaisir esthétique et la sensibilité au beau existent partout, alors dans l'art africain, ce plaisir-là le rapproche un peu du plaisir porté à d'une esthétique. Alors, pour Framboise, parce que l'art africain suscite certaines émotions, alors
il pourrait pour lui être rapproché d'un art presque esthétique. Mais pour lui encore, c'est un rapprochement qu'il ne devrait pas. Alors c'est juste à cause de l'émotion ou alors des émotions que les arts africains suscitent qu'on peut presque lui reconnaître une certaine esthétique. Le troisième préjugé est celui qui dit que l'art africain est un art non exposable. Alors, pour certains ethnologues, parce que certaines productions artistiques étaient gardées hors de la portée ou hors de la vue du public, alors ils ont taxé l'art africain d'art non exposable. Or, le fait que ces œuvres soient maintenues hors de la portée ou hors du regard du public permettait aux tribus africaines de pouvoir conserver le caractère sacré ou le caractère mystérieux de leur production. Le quatrième préjugé qui fut donné à l'esthétique africaine est celui selon lequel l'art africain est un art pragmatique et inesthétique. L'utilité et la fonction de l'art africain étant la priorité pour le négro-africain, cela a poussé l'opinion occidentale à taxer l'art africain ou alors les productions négro-africaines de pragmatique et de non-esthétique. Il s'agirait alors pour eux d'un art complètement et seulement utilitaire qui n'a rien à voir avec la beauté et rien à voir avec l'esthétique. Pour les ethnologues occidentaux, l'œuvre d'art est considérée comme un objet qui n'offre aucun intérêt jouissif au négro-africain, mais qui ne lui apporte qu'un apport culturel dans le contexte rituel ou dans le contexte religieux. Ils ont également émis l'hypothèse selon laquelle l'esthétique africaine ne pose pas le problème de capacité ou d'incapacité à faire de belles performances. Pour eux, il suffit d'avoir une sensibilité à la beauté. Pour les ethnologues, la fonction ou l'utilisation prime sur la forme dans l'art négro-africain. Ce qui voudrait dire que pour les ethnologues occidentaux, le fait qu'un artiste soit capable ou ne soit pas capable de réaliser certaines performances ou certaines œuvres le discrédite comme artiste. Et le fait qu'il n'ait pas une sensibilité à la beauté, c'est-à-dire que les œuvres qu'il produit ne soient pas belles pour eux, alors son art ne devrait pas être taxé d'art esthétique. Alors, parlons maintenant des revendications qui ont été émises par certains ethnologues qui, eux, par contre, se sont inscrits en faux par rapport aux précédents préjugés. Alors, cette vague d'ethnologues fut constituée de Marcel Griol, de Michel Léris, de Jean Laude et de Jacqueline Delange. Tous ces ethnologues et bien d'autres ont dénoncé la tendance ethnocentrique des analyses occidentales sur les arts africains. Ils se sont opposés au fait que les arts africains soient observés et comparés avec des critères classiques occidentaux. Certains intellectuels tels que Théophile Obenga, Raoul Leouad et Léopold Sédar Senghor ont affirmé que les notions de beau, de bien et de bon sont reconnues du négro-africain, car ces notions sont représentées dans son vocabulaire. Le beau est pour eux variable, c'est-à-dire pour le négro-africain, et il est opposé au laid ou à l'affreux, qui sont des notions esthétiques. Le philosophe Stéphane
s'opposa lui aussi à l'usage du terme « représentation » en ce qui concerne l'art africain. Il proposa à la place le terme « représentification » pour préciser le fait qu'un phénomène invisible devienne visible. Il précisa également que dans l'art africain, le matériel pour une œuvre ne représente pas le divin, mais le représentifie. Encore là, il révèle le caractère sacré qu'a ce symbolisme, cette façon de représenter un idéal. Parlons des théories sur l'esthétique africaine. Alors, ces théories ont été élaborées par de célèbres intellectuels africains, à l'instar de Léopold Sédar Senghor, du révérend père Angèle Bainvin, de Jean-Godefroy Bidima et de Georges Ngall, pour ne citer que cela. Dans la théorie élaborée par Léopold Sédar Senghor dans ses études sur la négritude, il a présenté les 7 caractéristiques de l'esthétique dans les arts africains. Comme première caractéristique, pour Sédar Senghor, l'art négro-africain est issu du travail humain. En deux, l'art africain n'est ni ornemental, ni un art pour l'art, mais c'est un art engagé dans la vie quotidienne du négro-africain. Pour Sédar Senghor, l'art africain est un art esthétique à cause de son utilité et de ses fonctions dans les activités sociales, magiques et religieuses. En trois, pour Senghor, l'art africain est fondé sur des pratiques collectives et est mis à la disposition de toute la communauté. En quatre, les différentes formes d'art interagissent entre elles et sont indissociables, c'est-à-dire que le chant ne peut pas être dissocié de la danse, tout comme les arts visuels ou la sculpture, la céramique ou encore toutes les productions qui sont rattachées à des rituels ne peuvent être dissociées de la musique ou des danses traditionnelles. En cinq, pour Senghor, la schématisation et la stylisation de l'art africain passent par l'image et le rythme. Les arts africains sont conçus donc autour des couleurs, autour des lignes, des surfaces et des volumes, en ce qui concerne les arts visuels, autrefois appelés beaux-arts. Pour la poésie et la musique, cette schématisation, cette stylisation passe par les accents. Et pour la danse, en ce qui concerne la danse, la schématisation et la stylisation passent par le mouvement. Pour Senghor, les arts combinent donc parallélisme, asymétrie, atonalité, temps fort, temps faible, variété, rupture et répétition. C'est donc tous ces éléments-là pour lui qui forment l'esthétique dans les œuvres africaines. En six, comme caractéristique, pour Senghor, l'art africain n'est pas descriptif, mais explicatif d'une pensée. L'art africain vise à clarifier les différents liens entre ontologie, métaphysique et anthropologie dans l'œuvre d'art. L'art africain aide également à la compréhension de la complexité du réel tel que caché dans l'œuvre négro-africaine. L'art africain, enfin, pour lui, n'est pas basé sur le réel, mais sur l'intuition et les apparences éphémères qui expriment la surréalité ou la sous-réalité du négro-africain. Et enfin, comme dernière caractéristique de l'esthétique pour Senghor, l'art africain est un art engagé. Il participe à l'épanouissement de l'homme dans toutes ses activités dans sa communauté. Parlons maintenant de la théorie du révérend père Angèle Bainvin.
Pour le révérend Vin, l'art africain exprime la vision du négro-africain sur l'homme et sur l'être créateur, c'est-à-dire Dieu. L'art africain vit et s'exprime dans la danse, dans la musique, dans la poésie et dans les arts visuels. L'art est également un langage cosmologique, un langage religieux, un langage liturgique et un langage anthropologique. Pour le révérend Père Angèle Benve, l'art africain transmet la connaissance scientifique et la conception du monde par le négro-africain sur l'histoire de son peuple en créant ainsi sa pérennité à travers le temps. L'art africain, grâce au rythme, met en relation les hommes avec leur cosmologie et leur système religieux. L'art africain, pour le révérend Père Angèle Benvin, est caractérisé par le rythme qui est structuré dialectiquement par un double mouvement, c'est-à-dire l'alternance et la combinaison répétée à l'infini. Pour le révérend Père Angèle Benvin, enfin, l'art africain est soumis à une loi, celle de la création artistique du négro-africain, encore appelé objet, ligne, motif, composition, que nous connaissons notamment sur le mouvement OLMC. Pour lui, la chromatique obéit à un code très précis. Il a également, à ce sujet, démontré que les couleurs du négro-africain sont le rouge, le noir et le blanc, qui sont des couleurs qui portent énormément de symbolisme. Alors, pour le rouge qui rappelle le sang qui est le symbole de la vie, alors pour le négro-africain, tel que dit par le révérend Père Angèle Benvin, le rouge représente la vie, le noir représente la souffrance et le blanc représente la mort. En revenant Pour ne pas oublier, en revenant sur les couleurs ou alors la chromatique telle qu'élaborée par le révérend Père Angèle Benvin, ces couleurs sont dites négro-africaines parce que, justement, dans le vocabulaire du négro-africain, chaque groupe ethnique ou alors chaque groupe culturel pouvait donner le nom de cette couleur-là dans leur langue vernaculaire. C'est pour ça que ces couleurs-là sont reconnues par le révérend Père Angèle Benvin au négro-africain. Parlons maintenant de la théorie telle qu'élaborée par Jean Godefroy Bidima sur l'esthétique africaine. Pour Jean Godefroy Bidima, il a développé sur l'esthétique africaine, le concept de la traversée. Il s'est ainsi focalisé sur l'attention, il a focalisé l'attention sur les représentations de l'art africain refoulé, tels que les arts des marginalisés des sociétés traditionnelles et les expressions artistiques des bannis et des pervers. Nous voyons là comme exemple ces œuvres-là, ces sculptures-là, par exemple, qui pouvaient présenter des attributs sexuels démesurés. Alors, ce genre d'œuvre avait été taxé d'art marginalisé ou d'art pervers. Alors, Jean Godefroy Bidima a élaboré cette théorie sur le concept de la traversée qui a reconnu à ces arts-là de l'esthétique. Pour Georges Engal, il a été question pour lui d'élaborer les différentes phases de rupture esthétique dans la tradition africaine. Et ces ruptures sont étroitement liées à l'histoire des peuples africains dès la rencontre avec l'Occident. Alors, il y a eu une esthétique pendant les années 50, qui a été lié à l'anticolonialisme. Il y a eu l'esthétique des années 60 qui a été liée
aux indépendances. Il y a ensuite eu l'esthétique des années 70 qui a été liée au devoir de violence et de révolte. Et enfin, l'esthétique des années 90 où l'art africain contemporain n'a plus pour modèle l'univers tribal ethnique, mais il réussit à conjuguer présentisme et archaïsme. Résumons notre leçon. Nous disons que l'esthétique provient du mot esthétique, mot grec, qui désigne la faculté de percevoir le beau. L'esthétique est également la partie de la philosophie qui parle de l'art, de la nature et de la beauté. La notion d'esthétique africaine est donc contemporaine à l'affirmation de l'art africain, c'est-à-dire que c'est au même moment où les productions africaines furent reconnues comme étant des arts, c'est à ce moment-là qu'au XVIIIe siècle, l'esthétique leur fut également reconnue. L'esthétique africaine est dans le discours philosophique sur l'art africain. Les préjugés sur l'esthétique africaine ont été d'abord élaborés par les ethnologues, c'est-à-dire Karl Einstein, Franz Boas et Franz Willett, qui ont à tort étudié l'art africain au travers des filtres et des critères occidentaux. L'art africain a donc été taxé d'être un art pour l'art, d'être un art simplement décoratif, d'être un art non exposable, d'être un art pragmatique et inesthétique. Mais une vague d'ethnologues tels que Jacqueline Delange, Louis Perrois et Marcel Griol ont dénoncé cette analyse à tendance ethnocentrique. Théophile Obenga et Raoul Lehart ont revendiqué et démontré l'existence de la notion esthétique dans le vocabulaire du négro africain. Et les théories sur l'esthétique africaine ont été élaborées par des auteurs tels que Léopold Sédar Senghor, qui parlait des principaux caractéristiques esthétiques de l'art africain, par le révérend Père Angel Benvent, qui parla du double mouvement du rythme qui est l'alternance et la combinaison répétée à l'infini, ainsi que de la loi de création du négro africain, c'est-à-dire le mouvement OLMC. Et également la théorie de Jean Godefroy Bidima, qui parla du concept de la traversée concernant l'art des marginalisés ou des pervers. Et enfin, la théorie de Georges Engal, qui présenta les différentes phases de rupture de l'esthétique liées à l'histoire des peuples africains à partir de leur rencontre avec l'Occident. Passons à l'exercice d'application. Il est question de citer trois noms d'ethnologues qui ont élaboré des préjugés sur l'esthétique dans l'art africain. Comme réponse, nous disons que nous avons Karl Einstein, Franz Boas et Franz Willett. La question 2, énoncer les 10 préjugés. Alors, comme préjugés, nous disons que l'art africain fut taxé d'art pour l'art, l'art africain fut juste taxé de contemplatif et de décoratif et de non inexposable. Il fut également taxé d'inesthétique car le but de l'artiste n'était pas le plaisir mais le gain. Comme devoir à faire à la maison, il est question pour vous de citer les noms des ethnologues ayant revendiqué et démontré l'existence de la notion esthétique dans l'art négro-africain. Il est également question d'énoncer leurs théories. Là sont les sources bibliographiques sur lesquelles nous nous sommes basés pour élaborer notre leçon. Et nous prenons rendez-vous pour la leçon suivante, intitulée Introduction au style dans les arts, première partie.
Tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia niña ne injo biayen.